Depuis la reprise du club en 2012, nous avions toujours la volonté de pouvoir faire en sorte que nos supporters s'identifient à un projet sportif. Et puis, au-delà de ça, il y a les relations avec nos partenaires, le B2B, nos sponsors. Nous avons depuis toujours eu la volonté de pouvoir créer à travers les matchs du Sporting de Charleroi un réseau d'affaires dans lequel tous nos partenaires ont la possibilité d'échanger, de discuter et évidemment de développer leurs affaires respectives. Dans le contexte digital dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il est extrêmement important de pouvoir combiner cette volonté et cette envie avec les outils que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Tout ça est le fruit d'une rencontre avec les équipes d'Underside, où nous leur avons demandé de pouvoir digitaliser tout le travail exceptionnel qui a été fait par toute l'équipe commerciale du Sporting de Charleroi. Ça veut dire quoi très clairement? Ça veut dire que tous nos partenaires vont avoir une application dans laquelle ils vont pouvoir s'inscrire, se présenter, et les uns les autres auront la possibilité de pouvoir se concerter afin de trouver le fournisseur idéal dans cette base de données qui leur permettra évidemment à tous de développer leur réseau d'affaires. Cette application sera très bientôt en ligne et elle nous permettra de pouvoir réellement continuer à développer l'esprit avec lequel nous avons développé cet écosystème. Merci à Underside pour le travail exceptionnel qui a été fait. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année malgré le contexte compliqué dans lequel nous nous trouvons tous pour le moment. Soyons solidaires et je suis persuadé que 2021 nous réserve d'exceptionnelles surprises et une très belle croissance pour tous les partenaires du club et d'Underside.